Tiens, c'est marrant ça. On peut faire des trous dans des radiateurs. Génial. Tiens, salut vous. Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez me rejoindre dans ma partie de Uncharted, c'est ça? Comme ça, là, sans me demander mon avis. Moi, je suis tranquille en train de m'amuser avec les objets. Et vous, vous venez? Eh bien, vous êtes les bienvenus. Ouais, parce que ben, je m'ennuyais un petit peu. Enfin, je m'ennuie, non. Non, pas avec ce jeu. Mais bon, on va dire que je me sentais un peu seul, donc ben, la compagnie, ça fait toujours du bien, hein. Et d'ailleurs, ben, puisque vous êtes là, en fait, je vais vous montrer l'interaction d'objets, en fait, dans ce jeu. Regardez-moi ça, c'est assez incroyable. J'ai été impressionné là, quand j'ai vu ça là, la première fois. C'est quand même beau, non? C'est marrant, hein. C'est vraiment réel, hein. C'est super bien modélisé. J'aime vraiment. Et le truc, c'est que comme quand vous êtes arrivé là et que vous avez vu que j'ai fait des trous qui d'ailleurs restent, hein, on voit qu'ils restent déjà, ça c'est exceptionnel. Pour un jeu de 2009. Enfin, exceptionnel non, parce qu'il y a d'autres jeux qui le faisaient bien avant, mais bon, actuellement, il y en a qui se foulent pas trop. Et là, j'ai vu aussi qu'on pouvait faire bah, des trous en fait de partout. Mais le truc, c'est qu'on pourrait croire que les trous faits par l'arme sont à peu près les mêmes dans tous les objets. Comme ça, au moins, ça aurait été vite réglé, ça aurait été facile. Mais non, en fait. Ils ont bien pris en compte chacun des objets différents dans lesquels on tire. Bon, bah là, par contre, il n'y a pas de trou. Il me fait mentir. Ça peut dépendre, non, de l'endroit. Bon, il y a de l'interaction d'objets, déjà, c'est super bien. Mais je sais pas si je peux trouver un truc totalement différent, ça. Ah non, ça, c'est interaction d'objets. On peut trouver quoi? Ça, là? Voilà, et eh ben c'est un très bon exemple. Est-ce que je peux le faire là pour que vous voyez mieux? Ouais. Déjà, vous voyez que quand je tire dessus, il y a des copeaux de bois qui s'éjectent. Mais en plus, la trace, ce n'est pas qu'un simple trou. C'est une trace en longueur, comme on peut voir. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça fait pas qu'un simple trou. C'est. En fait, ça fait bien une trace de bois, quoi. Voilà. Quand on tire dans du bois, ça fait du bois. Quand on tire dans le socle d'une lampe. Ça fait pas de trou. Et quand on tire sur un tonneau, ça fait un trou de tonneau. Et quand on tire sur un radiateur, ça fait les mêmes, à peu près. Bon, on peut dire que c'est à peu près la même matière. Mais enfin bref, là je chipote. Mais c'est pour vous dire à quel point l'interaction d'objets est. Regardez-moi ça, regardez. C'est énorme. Le truc il roule, il se fait arrêter par les petits débris qu'il y a par terre. Je trouve ça. C'est un petit détail que beaucoup de monde pourrait passer à côté en jouant au jeu et qui pourtant a son importance selon moi. Et quand on tire là-dessus, attention! Wouh! Ça explose! Et là, il y a de l'interaction d'objets dans tous les sens, puis ils ont tous été éjectés. Bon. Allez, je vais me continuer cette petite aventure là. Normalement, il y a ma copine qui va me rejoindre. Voilà. Je le sais parce que j'étais juste venu ici. Et je m'étais arrêté après. Et là, je viens juste de reprendre donc. Alors, qui est-ce? Mais en fait, cette fille-là n'est pas dans Uncharted premier du nom. Eh bien non, puisqu'en fait je vous ai fait la vidéo test de Uncharted 1, et donc celui-ci, logiquement, c'est le deuxième. Je ne vous dirai pas le titre parce qu'il est. Il est compliqué à. Bah, à dire en fait. Bon allez, puisque vous le demandez, si gentiment, je vais vous le lire. Alors attendez, j'ai la boîte à côté de moi là. Bon, c'est parti. C'est parti pour de l'anglais extra. Alors attention! Uncharted, ou Uncharted plutôt, à ce qui paraît, j'ai appris ça aujourd'hui, comme quoi ce serait Uncharted et non Uncharted. Bon, je sais pas. Peut-être. Et après, donc Uncharted, donc 2,
Mais je m'en fous, de toute façon, je continuerai à dire Uncharted, je préfère, je me suis habitué. Indice. Faudrait que tu me portes. Je crois que je peux atteindre l'échelle. Ah d'accord, faudrait que j'aille vers toi. Oui, mais attends 2 secondes, je suis en train de lire le titre là. Uncharted, ou Uncharted selon moi plutôt, 2. Et c'est là où on en arrive à la partie intéressante. Among Thieves. Ouais, bref, je le dis, j'ai dit une fois, c'est déjà pas mal. Bon, voilà. Il faut y mettre la langue, là, comme les Anglais, entre les dents. Le thieves. Mais je vais arrêter parce que sinon, je vais cracher dans le micro, là. Bon, bah voilà. Vous l'aurez entendu comme ça. Comment je remonte, en fait, là? Ah oui, c'est, je me souviens. Oh, regardez-moi cette belle vue. Nous sommes en Russie, il me semble, à Istanbul. Attendez, Istanbul, c'est bien en Russie, histoire que je me foute pas la honte, hein, quand même. Sur coup, c'est pas du tout en Russie. Bon, bah, c'est pas grave, hein, vous m'éclaircirez ma lanterne dans les commentaires. Comment il fait déjà pour monter? Je sais même plus comment on monte. J'aurais peut-être dû rejouer peut-être un petit peu avant. Ouais, non, là, il se projette, ouais. Oh, bah, je suis mort. Ah non, je suis pas mort. Si, bah, c'est croix pour remonter. C'est bien ça. Bon, allez, la passe par-dessus. Alors. Oui, donc, on fait ça. Mais je pense qu'en fait, il faut pas monter dessus. Je suis complètement débile. Il faut faire ça. Comment voulez-vous qu'il monte en équilibre sur un truc comme ça? Enfin, si, il peut, à partir de là, peut-être. Si, même, c'est certain. Ouais! On fait le saut de l'ange, comme dans Assassin's Creed? Ouais, non, y a pas de truc de paille en dessous, ça va pas être trop possible. Alors, elle est où ma copine, là, que j'aille la porter? Ok. Bon, ouais. Eh ben, dis-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, maintenir enfoncé. Allez, viens là. Allez. Elle y est. Ah, je crois que ça te plaît un peu trop. Pourquoi? Parce qu'on a eu une belle vue, c'est ça? Bon, peut-être. Donc, l'histoire. Est-ce que je vous conte l'histoire? En bref, alors, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Elle a fait un. Au moins 2 secondes après avoir fermé le truc. Hein. C'est pas grave. Oh, une piscine! Oh, on va les barboter! Hey, regarde ça! Marco! Vraiment? Allez! Non! Allez, viens dans la Marco! piscine! Oh. Polo! Hein? Polo? Marco? Marco Polo, hein? C'est drôle. Mais. Non, mais en fait, je crois que je vais pas trop continuer l'aventure. Ça va être une vidéo barbotage, en fait. Une vidéo de tout ce qu'on peut faire de débile dans ce jeu. Non, 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 je vous rassure, ça va pas être ça quand même, mais. Et ben voilà! Voilà comment avoir des médailles! Il faut nager dans l'eau pendant 5 minutes, et puis voilà, on a une récompense. Ah là là, dans un C'est jeu. comme un poisson hors de l'eau! Quel manque de professionnalisme. Dans un jeu, vraiment, parfois il faut pas chercher loin. Hein. C'est quand on fait n'importe quoi qu'on obtient n'importe quoi. C'est bien, il peut s'accrocher un peu de partout. C'est génial. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? On va se préparer un petit dîner, non? Tu veux quoi, ma chérie? Y a pas de jus d'orange? Moi, je bois pas d'alcool, moi. Donc on va détruire les bouteilles d'alcool. Ça passe à travers. Bien sûr. Et les verres? Ouais, bah oui, quand même. Faut pas exagérer. Et là, le truc, il est déjà pété. Bon, bah, on va péter l'autre, alors. Oh, ça fait un trou. Est-ce qu'on peut faire un trou dans le pétage? Oui, on peut faire un trou. Et là? Ah bah, c'est bizarre, là. Elles sont vides, non? Et autant tout à l'heure, il y avait de l'interaction. Là, il y en a plus. Ouais. Oui, parce qu'on n'est pas tous cons comme moi à venir ici dans les petits recoins à essayer l'interaction d'objets. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut aller sur le parasol? Bon, par là.
Bon, d'accord, ok. Bon, bah, je vais pas essayer. Ouh là là, non, 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 par... pas par là. S'il te plaît. Mais... plongeons. Wouh! C'est super. Ah non, mais c'est quoi ça? Marco et Polo. Oui, j'ai eu les deux. Mais c'est trop bien ça. Mais c'est génial. J'ai des trucs alors que je fais le con. C'est magnifique, non? Bon, on va aller par ici. Ah, magnifique vue, hein, j'adore. Alors ça là. En appuyant sur la flèche du haut, on peut regarder comme ça un peu à une vue à la... pas la première personne, non, mais ça... À la hollywoodienne. Voilà. Bon, et du coup, en fait, je fais le con, mais je sais même pas où est-ce qu'il faut aller. Hein. Si, peut-être par ici. Ah oui. Hôtel Shangri-La. Encore de l'escalade. Et ouais, oui. C'est toujours la même chose. Comme d'hab. Et comme d'hab, je m'accroche à des trucs qui sont pratiquement improbables à grimper. Mais bon, tu t'appelles Nathan Drake, hein, donc forcément, tu sais faire. Il n'y a pas de souci. Oh, ça sent la tyrolienne. Bien, on est arrivé. Bon, il ne reste plus qu'à trouver le bon temple. Ouais, mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Je sais, m'en parle pas. Peut-être qu'on pourrait... Oh, bingo. Le voilà. C'est celui-là. Ouais, forcément. Le temple qui se trouve installé au milieu des coups de feu et des explosions. On a de la chance. Nate, c'est là où Lazarevitch a son camp. J'espérais qu'on se dirigerait plutôt vers la direction opposée. Eh bien, à situation désespérée. Drake a été repéré dans le secteur 18. Ah, formidable. Tu crois qu'on a une chance d'être dans le secteur 19? Retournez la ville, trouvez-le et descendez-le. Ils rigolent pas, l'enfoiré. Ok, il est temps de partir. Allez, Nate, faut y aller! Eh merde, je crois qu'il va y avoir de la baston. Ah! J'avais dit tyrolienne! Tyrolienne! Wouhou! C'est bien l'acrobranche quand même. Sauf qu'on n'est pas trop dans des arbres, je sais. Bon sang, mais comment on va passer? Ah ouais, comment? Mais je crois en grimpant, tu sais quoi? Non? Bah si! Regarde, il y a une barre jaune. Tu vois? Un jaune bien péteux pour qu'on voie que c'est là qu'il faut s'accrocher. Ah là là, t'es pas intelligente, toi. Oh, attention. Oh, mais c'est bon, je sais tout faire. À part s'il y a un hélicoptère qui arrive. Comme ça. Je suis là, Drake. Donne-moi la main. Vas-y. Eh oui, bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais toi, je vais détruire. Oh putain, baisse-toi. Mais en fait, non, je crois que je vais courir. Cours. Oulala, mais je peux pas rentrer là-dedans, non? Non! Il fait des trucs que je veux pas, mais c'est pas grave. Je me fais canarder, j'en ai rien à foutre. Le truc, il se casse la gueule, moi, je me rattrape. Bon, t'as fini, là? Oh! Et tiens, dans le cockpit, là! Non, tiens! Je peux pas lancer des grenades, là, comme ça? Oh, si, je peux! Vas-y! Oh, elle a pas explosé... Bon, un peu plus en l'air là. Le soleil qui nous a bien ébloui. Attention. Oh. Oh bah c'est eux qui m'en envoient maintenant. Ouais bon bah je vais dégager hein. Ah ça y est, un peu de combat là. Alors pour tirer à l'aveugle depuis un abri, maintenez R1 enfoncé dans la direction je sais pas quoi. Et sauf que j'ai plus de balles parce que j'ai fait le con avec mon pistolet. Waouh. Ah ouais, ils bougent bien les armes hein. Bon d'accord, donc tant que je reste caché, c'est bon. Lui, qu'est-ce qu'il fait là? Eh oh, tiens, coup de tête! Coup de poing! Coup de genou! Non, non! Triangle pour esquiver! Et coup retourné, je suis une grosse brute! Je vais te récupérer d'ailleurs ça, là, comme ça fait bien mal. Tiens! Et tiens! Tiens, t'es pas mort, mais... Oh, tu crèves pas, là? Ouais, vous avez obtenu le trophée grosse brute, je sais. Bon. Il y a une autre grosse brute qui arrive, là. Toi, on va t'avoir comme ça. Oh putain, mais je vais crever. Il est passé où? Il est passé derrière le... Ah oui, il est là. Putain, je suis trop con, moi. Ouais, bah je vais mourir. Hein. Mais... Tiens. Allez. Merde. Ouh lolo, mais alors là, mais je suis... Je suis à deux doigts de mourir.
crois que je vais essayer de suivre l'hélico comme je peux. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Là, il est là. Oh, mais c'est le gros bordel là. Bon, en fait, faut que j'essaie d'avancer, je pense. Ou alors que j'essaie de lui lancer la truc qu'on a vu là, mais je sais plus comment on la lance. Ah, c'est pas grave, je vais avancer. Non, mais c'est bon, on est invincible, t'as pas compris ou quoi? Attends, on se ramasse des balles, on respire un bon coup et c'est. Et on crève? Ah non, c'est scripté. Ouf. Oh, qu'il est fort ce. Ouais, c'est génial. Bon, ok. Bon, bah, on va. Je suppose qu'il faut aller de l'autre côté. Comme ça. Oh, que c'est beau, c'est magnifique. Oh là là, hé, hey, attends. Mais. Ah! Je vais me cacher derrière le canapé. Voilà. Ça, tu peux pas m'avoir. Oh, super. Ils vont se tuer entre eux. Ça va être épique. Hop là. Comme ça, tu m'as pas eu. Tu m'as pas eu. Je suis derrière le canapé. Et tu me vois pas. Oh, toi, je vais te viser ta petite tête là. Vas-y. Sors là, là. Sors là. Derrière ton oreille. Allez. C'est bien. Merci. C'est pas folichon au niveau des. Des munitions. Hein. Oh oh oh. Non non attends, laisse-moi le temps de prendre mes munitions, non? Oh, c'est pas vrai, un stélico. Ah, viens là toi. Oh, comme je l'ai. Comme je me suis jeté dessus là. On a des bonnes petites munitions, c'est toujours du bien. Ah, un ascenseur. Ah, oulala. Rafale. Voilà comment on tue des gars. Oh, les vieux ordinateurs, oh. Oh, oh, oh. On dirait un truc en polystyrène. Comme il glisse. Ah non, mais je vais peut-être arrêter d'utiliser mes balles, moi. Attends, j'ai quand même envie de voir, là. Oh là là, eh, mais on dirait vraiment du truc super léger. Bon. Munitions. Munitions. On prend l'ascenseur ou les escaliers? Bon, j'ai envie de prendre des escaliers. Oh, mais même pas d'escalier, de toute façon. Oulala, oulala. Bah, attends, je vais me cacher derrière le poteau, non? Non, c'est bon. Allez, tiens, prends ça, toi. Et il y a l'hélico juste à côté, là. Et lui, oh là là. Oh, bah voilà, bah super, je suis mort. Génial. Bon, oui. Bon, bah, c'est bien, on recommence d'ici. Alors, faut que j'évite de me mettre là-bas en face parce que ça va exploser. Tiens, je t'ai donné un coup d'ordinateur en polystyrène. Bah, viens là, toi. Allez, tu es déjà mort, je continue de taper. Bon sang, qu'est-ce qu'ils foutent? Ça sent pas bon. Bah, voilà. Oh là là, oulala, oulala. Il me lance des roquettes. Oh, punaise. Bon, je m'en fous, je te... Bon, ok, je le tue en un coup. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde ou quoi, là? Et je vais crever, moi. Ah, c'est bien, on a l'impression d'être dans une attraction. Oh, c'est génial. Oh, putain, waouh, waouh, waouh. Saute. Oh, trop bien. Oh, il y avait un de ces effets, là. Oh, on s'y croit, hein. C'est vraiment bien. On a failli y rester. Je te le fais pas dire. Mais de toute façon, je savais que ce jeu avait une énorme réputation. Et je commence à comprendre maintenant. Enfin, même depuis le début, je comprends presque ce que j'ai fait. Bon, je voulais vous raconter l'histoire, mais en fait, non, j'en connais pas assez pour vous la dire. Et puis, bon, je préfère pas dire de conneries. Par là, allez. Bon, bah, par là, on va dire aller en haut. Hein. Quoique, en bas, il y avait quoi? Tu peux pas sauter la barrière. Ah, mais c'est normal parce qu'on peut pas y aller. Tout simplement. Ok. Oui, pour le moment, je connais pas trop au niveau de l'histoire, mais elle est quand même bien passionnante. Hein. Moi, j'aime bien. Toujours à la recherche, en fait, de trésors. Coquine, va. C'est elle qui cherche. Hein. Et après, on dit que c'est les mecs les pervers. Hein. Pff, c'est pas vrai, ça. Ouais, toujours à la recherche de trucs de valeur. Hein. Et là, apparemment, ce serait en Russie. Qu'il chercherait cela. Bon, là, je dois faire quoi, en fait? Parce que soit je pouvais aller en face, soit...
Bah, je peux pas monter, donc je devais aller en face, très certainement. Allez, pousse-toi! Mais c'est pas vrai! Voyons en face. Je peux faire des sauts de 3 km de long. Quoique là, ça pouvait aller encore. Oulala, là là, mais qu'est-ce qu'il m'envoie là? C'est quoi, c'est des fumigènes grenades? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je vais mourir! J'aime pas ce que c'est. Ouais, je devrais peut-être me reposer un petit peu. Voilà. Ah, c'est quoi l'arme que j'ai? Ah non, d'accord. Il envoie carrément un lance-grenade. Ah, ça... enfin, c'est un lance-grenade, je veux dire. Ok. Putain, j'ai du mal, hein. Oh, j'ai vu une... Non, mais c'est bon, elle est tombée. Oui, donc ça, je disais tout à l'heure, on peut le prendre, mais je sais plus du tout comment on l'envoie. Ah bah c'est comme ça. Ok. Alors là, il est où celui qui me tire dessus? Là. Allez, montre-toi. Oh. C'était très très beau. Ça, je suppose qu'il faut le faire descendre. Non. Oui. Non. Un pont? Cool. Ouais, évidemment. Les troupes de la résistance ont mis ça pour passer entre les toits. Ah, on a du bol. D'accord, oui, ça c'est surtout du bol. Allez, doucement. Et là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Oh, wow, un miracle. Ah non, il y en a qui arrivent. Alors. Je vais essayer ça, là, quand même. C'est où? Bon, on va foutre là-haut. Hop. On l'explose. Oh. C'était beau, hein. Ça servit à rien, oui, je sais, mais c'était beau. Je sais pas lequel je prends. Si, ça, c'est bien. Mais où est-ce qu'ils tirent, là? Je les entends, mais je les vois pas. Oh, ils doivent être en contrebas, je pense. Bon, d'accord. Alors, où est-ce que vous êtes? Ok, vous êtes là. Mais vous êtes des manchots, vous n'arrivez pas à me viser ou quoi? Enfin, moi non plus, remarque. Voilà. Headshot, non. Allez, viens là, grouille-toi. Montre-toi. Ah, là, c'est bon. Non, c'est bon. Pas bon. Ok. Nate, attention. Qu'est-ce qui se passe? Wow. Steve est vraiment buté. Lance-grenade. À l'abri. Tiens. Ça, c'est du bon travail. Allez. Mais je le rate, c'est pas vrai. Oh non, mais j'ai utilisé mon lance-grenade pour rien. Oh, mais je suis un noob. On va s'accrocher, là. Allez, accroche-toi. Allez. Ah bah non, maintenant il passe de ce côté. Oh là 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 là. Et j'esquive tout, je suis trop un PGM. Je crois que j'ai vu un autre truc, un lance-grenade, non? Non? Ou alors j'ai rêvé? Ouais, j'ai rêvé, je pense. Bon, et du coup, maintenant? C'est quoi, ça? Ah si, c'est bien lance-grenade, c'est bien ce qui me semblait. Bon. Alors si je comprends bien, il faut le tuer, là. On n'a pas le choix. Plus en hauteur. Non. Je vais me cacher là. Oh putain, il peut m'atteindre. Un peu en hauteur parce qu'il faut prendre en compte le fait que ça retombe. Non, même pas. Allez, là c'est bon. Yes. J'avais pas des ennemis pour venir me faire chier là. Mais bouge pas. Ouais, dans les ailes, je sais pas si ça fait quelque chose ça. J'anticipe. Mais c'est qu'il est résistant, hein. Tiens. Voilà. Oh bah oui, des ennemis, bien sûr. Viens là, toi. Viens là. Merde, raté. Allez, coup de poing. Je te monte sur le dos. Je sais pas trop ce que je te fais. Ah, il fume. Ah, j'ai loupé. Je fais un peu n'importe quoi, je sais. Lui déjà en l'air. Je t'ai tué en l'air. Ah, je m'étais entraîné sur la bonbonne précédemment, c'est normal. Bon, on va arrêter de faire le con. Il reste 2 balles, c'est pas le moment de les louper.
Allez, j'anticipe, non. Ah, il anticipe lui aussi, hein. Allez, là. Bof. Ah si, si, c'est bon, ça l'a eu. Allez, là. Oui. Et il est pas mort. Bon, génial. Yes, il y en a un nouveau, là. Oh, monsieur, j'ai de la chance, hein, quand même. Ou alors, c'est extrêmement facile. Allez, tiens. Yes. Tiens. Oh, 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 putain. Merde, j'en ai... Oh, j'en ai utilisé pour rien, là. Là, j'ai fait le con. Bien sûr, quand on en a trop, on a tendance à en gaspiller. Hein. Et c'est partout pareil dans la vie. Hein. Ah, mais mercredi. Allez, il bouge beaucoup maintenant. Hein. Il devrait crever. Là. Oui. Oh, ça suffit pas encore. Hein. Mais bien sûr, je trouve des lance-grenades partout, regardez. Hop là. Ça pousse comme sur des arbres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est pas grave, on va essayer de l'avoir sans se cacher. Hop. Et voilà. Non, toujours pas. Bien sûr, plus t'es en difficulté, plus t'arrives à bouger vite, toi. Hein. Bien sûr, c'est très logique. Oh, je t'ai eu, là. Et là, je t'ai eu encore. Voilà, c'était ma dernière balle. C'est parfait, c'est magnifique, c'est génial. Ah là là, il aurait quand même fallu, il aurait quand même fallu, combien environ, allez, une douzaine de grenades pour le niquer. Hein. Allez, bon, j'ai quoi comme balle? Ah ouais, j'aurais peut-être dû reprendre un peu de balles. Je vais retourner là-bas. Dépêcher un peu, je sais pas si il y a les cas. Ah si, là, voilà. Je vais prendre ça. Parce que je vais pas me battre à coups de lance-grenade quand même. C'est pas très précis et puis y a pas beaucoup de balles, donc c'est pas génial. Hop. Hop. Voilà. Et on va se faire le mumuse, on va la faire tomber. Allez, tombe. Non. Tombe. Mais. Là. Là. Et adios. J'ai jamais pris beaucoup le temps de m'éclater avec des trucs comme ça, mais en fait ça me fait bien rire. Donc je continue. Allez, je vais devoir la jeter plus loin. Bon, non, toi tu me fais chier. Comme ça. Wouhou. Yeah. Oulala. Ah ouais, après elle part quand même... Vraiment en live. Hein. On voit que ça n'a pas été prévu. Hein. Après, elle, je sais pas, elle prend de la vitesse énorme. Comme si elle continuait à tomber en fait d'ici à là. Ouais. C'est bizarre. Et le truc, c'est qu'elle se casse même pas. Hein. Je peux les pousser aussi. Ouais, enfin bref, on va pas s'amuser comme ça 36 milliards d'années. Hein. Surtout que j'ai pas envie de faire une vidéo énorme non plus. Et du coup je sais même plus où est-ce que j'étais. Si, ouais, je vais essayer ça. Yeah. Voilà. Parfait. Ça va, tu te démerdes? C'est bon. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je l'entends crier mais... Elle a sauté où? Ah là. Tyrolienne. Non. Si. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Pourquoi t'es ici? Si, hey, tyrolienne. Ce câble. Par ici la sortie. Go, go. C'est bon, ça va. Par ici la sortie. Oh merde. Mais oui, bien sûr. Ça va bien? Ah, ça fait trop mal. Tu m'étonnes. Je vais trouver un moyen de descendre. Parfait. Bah saute. Il y a des escaliers à côté, non? Bon. Bref, je suis tout seul. Là, c'est bloqué. Là, il y a une poubelle avec un rebord jaune, c'est-à-dire qu'il faut monter ici, avec un chenot bleu, c'est-à-dire qu'il faut l'escalader. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis bon ce soir, là. Je devine des trucs, mais...
Même vous, je parie que vous avez pas vu quoi. Là, ça bouge tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Un truc jaune. Des pancartes. Bon, bah, ça c'est parce que je connais. Hein, après, je passe de l'autre côté. Oui. Par contre, là, je vois pas. J'ai essayé d'aller derrière. Non, il veut pas. Alors, je descends. Hop. Ah oui, d'accord. C'est simplement pour passer de l'autre côté. Ok. Tirez pas! Hey! Nate? Mais qu'est-ce que tu fiches là? Elena? Jeff, non! Attends, tu connais ce type? Ouais. Lui, c'est Drake. Oh. Désolé. Alors, qu'est-ce que tu fais dans cet endroit, hein? Tu vas piller deux ou trois temples? Dévaliser le musée? Content de te voir aussi. J'imagine que t'es ici pour une noble cause, hein? En fait, on poursuit un criminel de guerre en cavale. Zoran Lazarevitch, ça te dit quelque chose? Et l'OTAN, il fait quoi? Pour tout te dire, il pense qu'il est mort. Mort dans un raid aérien. Ah, et t'es là pour prouver le contraire. Tu sais quoi? Ce type est vraiment un monstre, Nate. On parle de torture, de mutilation, d'exécution massive. Mais tu vois, maintenant, il prépare autre chose. Mais pourquoi... Pourquoi ici? Pourquoi détruire toute la ville comme ça? Ça rime à rien. Oh. Non. Non, ne me dis pas que t'as quelque chose à voir avec ça. N'importe quoi. Ah, t'es là, Nate. Je crois que je les ai semés. Oh, 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 tout va bien, Chloé. Ce sont des... journalistes. Ah. Bon. Il faut qu'on avance, si on veut garder une longueur d'avance sur Lazarevitch. Oh, je rêve, Nate. Et attends, attends, c'est pas ce que tu crois, Elena. pardon, mais y aurait pas un petit passif, là? Oh, Elena Fisher. Le modèle de l'an dernier. C'est mignon. Ouais. Non, non. Je suis content que tu trouves ça drôle. Bah, c'est juste que je t'aurais jamais imaginé avec un cul pincé fadasse. Elle est bien plus coriace qu'elle en a l'air. Merci. Oh. Oh quoi? Elle t'a brisé le cœur. Oh, arrête. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est peut-être moi qui ai brisé le sien. Oh oui, Casanova. Faut qu'on avance maintenant. Attends. Ils viennent avec nous. T'es pas sérieux? Si, je le suis. Je peux pas les laisser planter là au milieu de ce bordel. Mais ils vont nous ralentir. Et si Chloé... on se fait prendre... Si Lazarevitch nous capture, toi et moi, je ensemble... Je les laisserai pas tomber. Tu n'es pas obligé de toujours jouer les héros, tu sais. Nate. On danse toujours avec celui qui vous a amené au bal. Ouais, j'ai compris. Mais ils viennent quand même. On n'a pas besoin d'aide, Nate. Tu vois? Tu vas peut-être changer d'avis. Merde. Courez! Il va y avoir du grabuge. Bon, bah, on court, hein, écoute. Hein. Alors, je suis... Bon. Je suis très surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'Elena soit là. J'ai rien demandé du tout. Merde, qu'est-ce que je fais? Ouais, parce qu'en fait elle était dans le 1 et je vous en ai parlé au début, vite fait, au début de cette vidéo, en disant que c'était plus... Oh merde, j'ai pas vu la grenade. Ouais, en vous disant que j'avais pas... qu'est-ce que Attention je Bon, et maintenant. Ouais, que c'est, qu'elle était dans le 1, mais que c'était plus la même. Et je m'attendais pas à ce qu'on la revoie, en fait. Parce que il avait, à la fin du 1, il était avec elle. Oh, enfin, ça se devinait, hein. C'était ensemble. Mais je sais pas, je pensais que dans le 2, en fait, ils avaient fait... bon, ils l'avaient complètement zappé. Et qu'à la place, ben, ils avaient préféré mettre une sorte... Oh, cette fois, je vais pas me faire avoir, hein. Une sorte de belle bimbo là, bien foutue et tout, juste un peu pour attirer un peu plus de monde pour le 2. Et puis, ben finalement, non, enfin, si, je pense qu'il y a un peu de ça quand même, mais ils l'ont pas totalement abandonné et ils l'ont laissé dans l'histoire, donc c'est pas mal. C'est bien. On voit qu'il y a aussi une évolution graphique, hein, elle était.
On va dire qu'elle était moins jolie, je parle de Elena, elle, dans le premier. Là, elle est un peu mieux modélisée. De toute manière, le jeu est un peu plus beau, hein, ça c'est vrai. Bon, il n'y a pas d'énorme différence, mais il est déjà plus beau. Et il y a aussi un petit détail que j'ai vu par rapport au premier, enfin, qui n'était pas dans le premier et qui est dans celui-ci. C'est que quand on tire, je ne sais pas si vous voyez, là. Je vais peut-être prendre celle-ci là. Ouais, là on voit un peu mieux. Dans un endroit sombre, voilà. Regardez, on voit la trace de la balle quand elle part. Chose qui est impossible normalement. Hein. On voit pas. Hein. Je pense c'est peut-être pour mieux viser, mais puisqu'on a un viseur, je vois pas trop à quoi ça sert. Je sais pas, en tout cas, ça m'avait un peu surpris au début. Je peux tirer dans la tête? Ah non, je peux pas. Ouais, ça m'avait un peu surpris. Mais on s'y fait bien, ouais. J'ai quand même l'impression que c'est un peu plus compliqué à viser que dans le premier. Ouais, peut-être parce que j'ai plus l'habitude avec le premier, certainement. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, bon, des munitions, ok. C'est toujours bon d'en prendre. Peut-être ici. Non, j'ai pas trop l'impression. Faut que je raisonne de manière logique. D'où je viens, où est-ce que je vais? Là, c'est bloqué. Je sais pas d'où je viens. Ah, si. Si, évidemment, je viens d'ici. Ah là 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 là. Je suis venu là, je me suis caché pour tuer les gens. Et là, forcément, je dois continuer. Puisqu'en plus, ils m'attendent là-bas. C'est-à-dire qu'ils attendent que je fasse quelque chose ici. Mais j'ouvre la porte. Bien sûr. Avec la porte. À 3. 1, 2, 3. Mais on peut pas, on est que deux là. Vieille blague. Merci. Alors. Super. Donc ça y est, on est entré là où il voulait, c'est comment ça? Comment on va traverser? Il y a une échelle tout là-bas. Mais tu traverses à la nage. Alors l'échelle, elle est là-bas, oui. Il y a oui. Trop de courant, on n'y arrivera pas. Il y a quelqu'un qui l'a proposé. C'est traverser la nage. Bon, bah on va faire grimpette alors. Hein. Comment c'est bien le faire? Oh, des caisses! Non, c'est bon, allez, j'arrête. Mais c'est vrai qu'ils en foutent un peu de partout. Je sais pas, ils doivent aimer ça, Istanbul, bon. Alors, maintenir enfoncé. Ok, la allez, courte échelle. Allez, descends. Descends-moi l'échelle. Non. Ah bah non, il n'y a pas de rajout cette fois. Ah bah oui. Et si j'avais été en dessous, t'aurais fait quoi? Oh, c'est pas vrai. Si j'avais su où est-ce qu'elle allait retomber, j'aurais bien essayé, tiens. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a encore des trésors à trouver. Mais je les cherche vraiment pas. Hein. Oh, il y a des fois, je regarde un petit peu dans les petits recoins pour voir s'il n'y a pas des petites choses, mais en général, je m'y attarde pas beaucoup. Alors, je vois une barre là-haut. Mais bon, ça sert pas à grand-chose. Et là, si je m'accroche ici, je suppose qu'il y a quelque chose à faire. Apparemment non. Je me laisserai bien tomber, mais je crois pas qu'il va se rapprocher. Donc qu'est-ce que tu veux toi? Tu restes ici? Bon, ok. Et là je peux me faire tomber, non? Mais non, ça sert à rien. Ah si. Ah, tirer sur la bonbonne de propane. Mais ah, oulala, et il voulait qu'on voit ça? Bah putain. Heureusement qu'il nous met des indices, hein. Sympa. Ouais, bon, sympa, mais il n'y a pas eu d'éclaboussure d'eau, mais c'est pas grave. Et en quoi ça nous avance? Ça nous avance dans le fait que ça nous a créé un pont pour y aller? Mais là, j'aimerais bien descendre... on peut descendre là? Si jamais je viens là. Allez, viens là. Que je descends.
Que je me pends ici. Que je descends. Allez, pends-toi. Là. Ok. Que là, je saute sur la plateforme en face. Ça fait un peu loin quand même. Hein. Oh, c'est pas grave, je serai emporté par le courant, je serai mort, je recommence. Oh, 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 oh. Oui, 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 oui. Non, non. Allez, remonte. Ouh là 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 là. Ça sent le bug à plein nez. Il a froid. Non, ok. Bon, j'arrive pas à remonter le courant, c'est normal. Bon, ça a peut-être coupé un peu le... Couper le courant, non. Ça a pas coupé le courant. Ça réduit peut-être le courant. Ouais. Et donc ça me permettra toujours pas d'y accéder, je pense. Non, non, bien sûr que non. Ouais. Ah d'accord. Ouais, il y a une voiture. Pour que ça fasse un passage jusqu'à l'échelle, mais oui, mais oui. Mais je suis bête. Parce qu'en fait, il a fallu le faire une fois, bah il y a une autre voiture de l'autre côté. Il doit certainement y avoir une bonbonne à côté, faut tirer dessus, et puis voilà. Comme ça, ça fera une autre passerelle pour atteindre l'échelle. Et j'ai qu'une chose à dire, where is Brian? Non, where is the bonbonne? Mais j'ai vu qu'il y a des bonbonnes ici. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il faudrait en prendre une. Il faudrait la jeter. Non, pas comme ça. Ouais, ouais, il faudrait la jeter là. Mais merde! Oh là là! Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Bon, c'est pas grave. Heureusement, ils nous mettent pas mal de bonbonnes là. Alors, on va jeter d'ici, tiens. Voilà. Comme ça. Après avoir lancé le tank de propane, appuyez rapidement sur R1 pour la faire exploser. Ah, pas besoin de viser? Ouais, mais je vais attendre qu'elle retombe quand même. Oui. Ah, d'accord, il vise automatique et tout. Ah. Bon, bah c'est bon, on peut y aller. Moi, j'ai pas d'autre moyen d'y aller, je parie. Non. Et je suppose que si je saute là-bas en face, je vais crever. Oui, je sais que c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Ouais, ouais, allez, je vais pas faire le débile. Oui, oui, je me grouille, c'est bon. Voilà, on récupère des munitions. Une munition, oh, génial. Allez, allez, allez. Voilà. Ouais, moi, je m'en fous, je monte pas échelon par échelon, attends. C'est pour les noobs. Bon, on arrive à la prochaine action et après je pense que bah voilà. Oh putain, les fusils comme ça. Aïe, le gros mot. Alors on va lancer une grenade. T'en pensais quoi? C'est comment la grenade? Merde, je sais plus. Si normalement c'est L2. Ah mais j'en ai pas. D'accord, génial. Oh putain, ça pète de partout. Hein. Ouais, je fais cette action et après j'arrête hein, parce que ça va faire trop long. Aïe aïe aïe. Voilà. Et vite, 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 vite. Là. On va tuer d'abord les périphériques. C'est bien lui en un coup. Par contre, lui, comment je vais faire? Il y en a un là. Il y en a un qui se cache là. Allez. Oh putain, oh putain, putain. Ah mais oui, il y a des bonbonnes. On va prendre la bonbonne. On va se cacher. Ah, on peut pas se cacher avec la bonbonne. Donc on va y aller au culot. Non, 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 non. On va attendre qu'il arrête de tirer. Voilà, on prend la bonbonne. Allez, on vise. Merde, mais il vise comme une merde. Bon, c'est pas grave. Hop.
Bah ouais, bah vachement bien, super là, super magnifique. Mais je sais pas lancer ça là. Ah là là. Oh oui, ça m'a servi à beaucoup de choses, tiens. Allez, vite, retourne derrière là. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi là. Bon, il y a lui qui me fait chier. Allez. Voilà. Bon. Réfléchis, Saillon. Comment vais-je faire? Ma bonbonne a explosé. Je n'ai pas de grenade. Donc je ne vois qu'une seule solution, les amis. C'est y aller. Au culot. Vous êtes prêts? Non, il y en a un qui se cache là derrière encore. J'ai vu. Tu peux toujours courir. Et... Ah, là, 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 là. Bon, c'est pas grave. Oh putain, il y en a qui se cachent ici. Ah ouais, faut vraiment pas que j'y aille. Hein. C'est pas bon, sinon. Putain, mais il arrive à m'avoir comme ça. Voilà. C'est bon, je l'ai eu. Allez, tire et j'arrive. Allez, j'arrive. J'arrive. Allez, hop. Tiens, prends ça. Voilà, tordage de cou. Voilà, tiens. Esquive. Oh, que c'est bien joué. Tiens, une bonne baffe dans la gueule. Oh, il y en a qui arrivent. Je vais utiliser la tourelle, moi. Je suis un bois. Vous tuerez pas mes amis. Vous tuerez pas mes amis. Et lui, il a ma cible ou quoi? Ah non mais. Parfait, c'est nickel. Ouh. T'es toujours comme ça avec lui? Ouais, c'est toujours comme ça avec moi. Ah. Bon bah chose promis, chose due, hein. On va s'arrêter là, hein. On va faire un petit bouquet final avant de partir. Je sais ce qu'on va faire. Faire un beau bouquet final. Comment on va faire? Il n'y a pas des caisses à côté histoire qu'on les explose aussi? Si, là, il y a des caisses. Voilà. Là. Donc ça, je vais... Ouh, reste là. Voilà. Oh non, j'ai fait tomber la caisse. Oh ben, c'est pas grave, je tombe aussi. Mais, c'est pas possible, ça. Voilà. Là. Hop. Ensuite, je fous là. Oh mais non, ça dégringole les escaliers. Bon bah toi dégringole les escaliers alors. Allez, le bouquet final il se fera en bas, c'est pas grave. Bon, en fait, à vrai dire, je fais ça mais je sais même pas ce que ça va donner. Hein. Oh, c'est pas vrai. Y a pas des caisses un peu mieux là? Bon non, c'est pas grave, on fera avec les moyens du bord. Voilà, c'est bien, tu t'es bien mis au bon endroit. En fait, ça va ressembler à rien, ça va être complètement pourri, mais c'est pas grave. Il y a quoi là-dedans? Absolument rien. Pièce inutile. Je suis... Ouais, non, c'est bon. Alors, oui, mon escalier, parce que sinon, si on tombe... Voilà. Ouais, je vais la mettre un peu plus à côté quand même. Voilà. C'est bon, vous êtes prêts pour le bouquet final? On va prendre un gros truc là, voilà ça. Je me fais exploser avec ou pas? Non, non, sinon on verra pas ce qui va se passer. Voilà. Vous avez vu un petit peu avec moi ce que donnait le deuxième opus de Uncharted. Et oui, je n'ai pas envie de dire le nom en entier. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, que ces petits barbeaux dans l'eau, ces petites explosions, ce jouage avec des... ça n'existe pas, mais je m'en fous. Ce jouage avec des caisses et tout. Voilà. Moi, ça m'a plu de faire ça. C'était bien sympa. Allez, après ce bouquet final, on se quittera. Je vous dis, eh bien, de bien retourner à vos occupations.
À plus tard pour les prochaines vidéos. Et bien évidemment, je vais bien terminer quand même. Bien évidemment, ciao à tous! Le truc qui sert à rien, allez, salut!